Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, nouveau vlog masse. Il est actuellement 13h06, donc depuis 11h30, il y a un technicien qui est à la maison pour nous installer la fibre. Donc là, c'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est un peu le bordel, on a tout déplacé, tout là et tout, pour qu'il puisse installer la fibre, etc. On a pris un petit café parce qu'on n'a rien mangé ce matin, on n'a rien bu et tout. Donc il devait passer à 13h, il est arrivé beaucoup plus tôt. J'ai une sale gueule. Je vous ai pas raconté ce qui s'est passé hier, mais en gros hier j'avais perdu mon pass Navigo. Je ne savais plus du tout où il était. Je l'ai cherché partout, vraiment partout, et j'avais cours, donc je me suis dit vas-y, il faut que j'y aille et tout quand même. Donc je suis allée au guichet pour savoir s'ils avaient retrouvé s'ils avaient retrouvé mon pass imaginaire. Et non, pas du tout, ils m'ont conseillé de le refaire ce soir. Bah j'ai acheté des tickets, j'en ai eu pour 7€, les 7,60€ les tickets. Qu'est-ce qu'on a acheté sur AliExpress, faut que je vous montre ça après. Pourquoi t'as mis ça dedans? C'est rigolo. Des gonds, je vous montrerai ça après. En gros, j'ai acheté des tickets, etc. Donc je suis allée à mon cours. Et sur le chemin du retour, en fait, quand je suis rentrée à la maison, bah, je suis allée directement à Maison Blanche pour faire mon pass imaginaire. Donc j'ai payé 23€. C'est une journée à 30€. Ça m'a vraiment saoulée. Et en plus, ça marchait pas. Genre, leur logiciel, il marchait pas. Alors qu'ils commençaient à gueuler en mode ouais, vivement qu'on fasse grève et tout pour qu'on ait de meilleurs objets. Enfin, meilleurs. Comment on appelle ça? Bref, il y avait un problème technique. Donc j'ai attendu au moins 20 minutes. Surtout stressé. Parce que toi, tu stresses vite pour rien. Bah, et oui, après, une fois que t'es stressé, tu fais n'importe quoi. Et donc après, je suis rentrée à la maison. Donc j'avais un nouveau pass imaginaire. Donc il était tout neuf. Enfin, tu sais, moi, j'ai les anciens, genre les verts et tout. Là, ils m'ont donné le nouveau, le bleu. Moi je l'aimais pas trop, tu vois, le bleu, je préférais mon ancien. Donc j'étais deg et tout, je me suis dit putain, chier et tout. Hier soir vers 23h, je commençais à me mettre dans mon plaid. Et qu'est-ce que je vois? Je vois cette magnifique chose qui était dans mon plaid, enfin en dessous de mon plaid. Tu vois, genre pour cacher le canapé, on a mis des plaids et il était en dessous de mon plaid. C'est pas pour le cacher, il est beau le canapé, c'est pour le protéger. Oui, pour le protéger, oui. Pour le cacher. Mais donc j'ai mon pass imaginaire que j'ai payé 30€ pour rien. Ça me saoule. Donc voilà, je l'avais. Et donc celui-ci est désactivé, donc je vais le garder en. Je vais le garder, voilà, en souvenir. Et donc hier soir, il y a mon copain qui a acheté un jeu de société. C'est Clank. Au début, je vous avoue que j'étais pas. Je m'endormais quand il m'a parlé des règles, j'étais en train de m'endormir. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et après, j'ai commencé à jouer, à m'intéresser pour lui faire plaisir. Et au final, c'est vachement bien. Je suis content. On faut pas trop se tirer dans les pattes. Moi, j'aime pas quand on se tire dans les pattes dans un jeu de société parce qu'après, ça fait des conflits à la maison. Et il m'a dit, ouais, Elisa, si tu gagnes, t'as un massage de 30 minutes. Bah ouais, c'était pour qu'elle joue. Je l'ai défoncé. J'ai fait 134 points, il en a fait 87. Genre, nul à chier. Oh. Et j'ai gagné, donc j'ai eu mon massage de 30 minutes. C'est sympa, j'ai bien aimé. Je vous ai toujours pas ouvert les calendriers de l'avant, genre j'ai même pas le temps de le faire pour moi, genre juste moi. Hier je les ai ouverts avec ma soeur et tout, parce que ma soeur est passée chercher. Ah oui, je vous ai pas dit, on a mis les cartons à la cave aussi. Tous les cartons qui étaient à l'entrée, on les a mis à la cave. On a fait du tri dans les boules aussi, donc il y a beaucoup moins de cartons qui sont à la cave. Et ma soeur elle a pris des boules pour elle, des bonhommes lumineux pour qu'elle puisse mettre chez elle. Mais après, elle me les rend, hein. C'est à moi. Hein. Ouais, c'est mes tchotchos, c'est mes bonhommes, c'est à moi. Et voilà, donc là, on va aller ouvrir les calendriers de l'avant juste après. Parce que là, on est en train de. Déjà, on va tester la connexion. On va tester la connexion internet. J'ai reçu des articles du Black Friday, donc. Pour moi, non, c'est pour moi. Donc je suis trop contente. Par contre, la couleur me fait peur parce que j'ai pas commandé cette couleur-là, moi. Donc j'ai reçu des articles du Black Friday. Et. Je vais vous montrer ça demain, puisque demain j'ai rien à faire vu qu'il y a la grève. Que voilà, je suis contente, il est trop beau. C'est en bleu foncé. Wow. Bon, allez, je vous laisse, on boit notre petit café. Et on se retrouve à tout à l'heure. Hein, il y a Bichette et il y a Chouquette. Là, c'est les Bichouquettes qui sont réunies. Oui. Bonjour, ma chère. J'ai oublié de vous dire quelque chose, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, j'ai plus cours. Genre en fait à cause de toutes ces manifs, des choses comme ça, des grèves etc. Eh bien le centre Tolbiac a décidé de fermer le centre donc pour éviter donc toute anomalie. Surtout qu'il y avait une AG à 17h. Donc ils ont préféré fermer plutôt que d'avoir le bordel chez eux. En soi c'est logique mais en soi ça permet aussi aux étudiants de ne pas exprimer leurs opinions. Mais bon, suite à ce qui s'était passé aussi, je crois que c'était l'année dernière, je les comprends parfaitement. Ah oui, ils ont tout défoncé là. Ils ont vraiment tout défoncé dans Tolbiac. Quand je vous dis tout,
C'est vraiment tout. C'était dégueulasse. Non, il y a un squat en fait, si tu veux. Après, ils nettoyaient quand même, tu vois. Bah, mais en fait, c'est ceux qui faisaient attention et qui étaient vraiment là pour nous. Il y en avait pas mal qui faisaient attention. Moi, j'étais dedans. Mais il y a d'autres couillons qui ont quand même cassé pas mal de matos, qui ont tagué tous les murs. Donc après, ça a fait des frais pour l'école. Et qui paye les frais? Qui paye les 85 euros par an, là? Vous savez ce qu'on doit payer, là, dans les frais de scolarité? En plus, que tu dois même te donner le code pour pouvoir vraiment t'inscrire, pour voir si t'as vraiment payé. Genre ils disent ouais c'est pour les machins, les... Non, non, comme par hasard juste après qu'il y ait saccage on paye ça. Enfin il y a eu plus de... énormément de sous qui ont passé pour refaire tout le centre. Moi je suis d'accord qu'ils ferment le centre pour pas qu'il y ait de bordel, mais en même temps ça prive les gens d'exprimer leur opinion, surtout qu'il y avait une grève en fait. Donc j'ai pas cours jusqu'à nouvel ordre. Après j'ai aimé TD vu que le TD c'est dans un autre centre, donc je pense avoir TD. Mais vu qu'il y a les grèves RATP, je ne sais pas si ça va se tenir vendredi. Déjà ça me dit non, c'est sûr que j'ai pas cours, vu que c'est jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui bah j'ai pas cours, je vais finir tard, bah je finis pas tard. Et donc on va aller à Place d'Italie chercher un petit objet. Donc là, on a tout désinstallé la box de chez Free. Donc on a tous les... Faut voir les conneries qui font en face de moi. Il est con celui-là. Voilà, pour l'instant, on est en train de faire un truc avec son laser, tout ça, là. Et il arrive. En fait, le laser passe par le câble. Ouais. Et après, il appelle le fournisseur d'accès pour voir si le truc va directement chez eux, en fait. D'accord. Pour si la ligne elle est bien raccordée, s'il n'y a pas de problème, machin, si son branchement, il fonctionne. D'accord. Bon, on va voir ça, c'est le bordel. Et là maintenant on a une multiprise donc je pourrais mettre tous mes branchements là. Birdie! Bon bah ça y est, c'est installé. Maintenant mes vidéos vont être uploadées en moins de 5 minutes au lieu de 2h30, ça va me changer la vie les enfants. Donc là en fait ce qu'on a pris pour l'abonnement c'est le forfait à 30 euros, donc c'est avec Netflix. De base en fait on a Netflix, donc on paye 15 euros par mois parce qu'on a l'option 4K etc. Parce qu'on a une télé 4K donc autant... autant profiter, tu vois. Et donc, ça nous reste 15 euros, en fait, si tu... Voilà, ça fait 15 euros, en gros, la box. Et moi, c'est ce que je payais avant chez SFR, avec la DSL. Et là, on paye, donc, quasiment pareil, pour la fibre, avec Netflix, donc, inclus, etc. Et en fait, tu te crées pas un nouveau compte, tu remets juste ton compte dedans, en fait. On va envoyer une lettre de résiliation à SFR, donc, ils vont me demander des frais pour la résiliation, vu que j'étais engagée pendant un an. Les frais vont être de moins de 100 euros. Donc après, dès que j'ai reçu la facture, j'envoie ça à Free pour qu'ils me remboursent mes frais de résiliation. Parce qu'ils me prennent en charge tout, en fait. Donc ça, c'est cool. Donc il y a pas mal de papiers à envoyer. Je suis sûre qu'il y a une lettre avec accusé de réception à envoyer à SFR. Je suis sûre que c'est ça. Faudra aller à la poste. Oh, ça me casse les couilles, ça, déjà. Faudra payer l'accusé de réception. Encore des frais supplémentaires, un château, payé pour rien. Je suis trop contente, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur AliExpress, parce que c'est hyper drôle. J'espère que vous entendez pas les gosses, oh là là. Vivement qu'on ait des doubles vitrages ici, oh là là. Donc en fait, c'est ce genre de petit... En fait, tu mets le thé à l'intérieur, et en fait, quand tu mets dans la tasse, ça te fait ça. Je trouve ça trop rigolo. Donc j'ai pris ça sur AliExpress. Donc j'ai pris avec le rond comme ça. J'ai pris avec le pouce, je trouve ça trop drôle. J'ai pris avec la main. J'ai pris tout. J'ai pris avec les deux doigts, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Et j'ai pris avec ça. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop joli. Et j'ai acheté d'autres choses un peu dans ce même thème là. pour des cadeaux de Noël et tout, genre des trucs assez cons comme ça, tu vois, c'est drôle comme cadeau de Noël, c'est pas mal. C'est arrivé très rapidement donc je suis super contente. C'était genre 1€ les 5 ou 2€ les 5, je sais plus. Mais après ça pue vachement le plastique donc faut bien nettoyer avant, le laisser tremper un petit peu, etc. Et après ça va bien. Je suis contente. Donc on va tout réinstaller, je vais passer un petit coup d'aspi. Bon alors je vous mets là, je vous mets sur les boîtes de ma Freebox. C'est très bien Isa, continue, il faut investir dans du matos. Je vous ai pas montré ce que j'avais fait pour les calendriers de l'Avent. Vous m'avez beaucoup dit ouais t'as oublié tes calendriers de l'Avent. Mais en fait j'ai même pas eu le temps dans la journée. Donc là on va les ouvrir. Donc en fait je les ai ouverts hier, j'ai ouvert le 1 et le 2 mais j'ai pas ouvert le 3. J'ai voulu vous attendre et le 4 aussi. Look Fantastic, j'ai reçu donc la palette de chez Morphe. Elle est comme ceci, les couleurs sont vraiment hyper jolies, mais qu'est-ce qu'il fout? Donc j'ai une palette de chez Morphe. J'ai eu aussi ce produit là, c'est pour les cheveux. Donc c'est un produit pour les cheveux, pour avoir plus de volume, plus de choses comme ça. Chez Rituals, ça c'est trop bien, j'ai trop aimé Rituals. La petite bougie comme ceci, qui sent Oriental Vetiver. Ça sent hyper bon, vraiment ça sent super bon, elle est trop mignonne. J'ai eu aussi le Body Mist, il est génial celui-ci, il sent hyper bon, on dirait... Vous savez les petites billes que j'achète là chez Action, là, pour mettre dans la machine, pour que ça sente bon. Ça sent exactement pareil, ça sent hyper bon.
D'ailleurs, je vais m'en mettre. Il n'y a pas de parfum à la con. Genre, je peux en mettre, je suis pas allergique. Je peux en mettre sur le cou, je vais pas avoir des boutons demain. Oh, ça sent bon. Pour Sephora, j'ai reçu donc ça. Donc ça, je l'ai déjà. Je l'ai en tout petit. C'est un rouge à lèvres que tu mets au-dessus d'un rouge à lèvres nude pour avoir un petit peu de paillettes. Donc ça, je l'ai déjà. Donc je pense que je vais le filer à une copine. J'ai ensuite, ça, je voulais trop le tester, mais de fou, le bronze qui vient de chez Benefit. Donc c'est une petite brosse. Je vais essayer, tiens. Qui fixe en fait vos sourcils. Ensuite chez Origine, j'ai reçu le sérum intense anti-âge et la mousse nettoyante pour le visage. Alors le sérum est comme ceci. Après ça coûte des produits qui coûtent hyper cher de base. C'est pour ça que le calendrier coûtait hyper cher. Mais là je trouve que c'est un peu abusé, un nettoyant pour le visage aussi petit. Je trouve ça un peu abusé, ils auraient pu faire un plus gros format quand même. Parce que c'est vraiment petit pour un nettoyant visage, genre ça fait même pas une utilisation. Enfin. Ensuite chez Nuxe, bon ça c'est des basiques hein, bien évidemment. Bah oui mon chat. Celui-ci donc c'est l'huile prodigieuse de Nuxe, donc ça je l'ai déjà en petit plusieurs fois, donc je vais le filer à une copine aussi, mais j'aime trop. Là je l'ai déjà aussi testé en grand format, je suis contente de l'avoir en petit format parce que j'en avais pas, et pour voyager, pour partir en week-end, même si je ne pars jamais en week-end, même si je ne voyage jamais, ça serait peut-être l'occasion même de pouvoir utiliser ces petits produits, donc c'est la marque Aquabella. C'est l'une des premières gammes que j'ai testées chez Nuxe et j'ai adoré. Leur crème hydratante est géniale, donc n'hésitez pas à les tester, à les voir en magasin. Donc là j'ai la gelée purifiante micro-exfoliante, elle est très très bien. Après je trouve qu'il n'y a pas assez de grains pour bien exfolier, mais c'est plus ouais, une gelée purifiante, ça te purifie vachement la peau et c'est vraiment génial. Ensuite chez Bonne Maman, j'ai reçu donc ça, c'est les confitures de fraises à la verveine. Et abricot et mangue, ça a l'air trop trop bon celle-ci. Et ma soeur elle était avec moi, elle a réussi à deviner à chaque fois le goût. Alors je sais pas si ça s'est fait spoiler, mais elle a réussi. Et hier on a dit ouais, ça serait un truc orange, clémentine ou autre. Et donc on l'a pris, parce qu'on était le 3. Et donc c'est bien orange et mandarine, donc c'est vraiment pas mal. Après ça je suis pas fan. Mais à tester, tu vois, c'est des... J'aime bien ce genre de petits formats parce qu'au moins tu peux tester, t'achètes pas un gros pot et après tu dis ah c'est dégueulasse, tu vois, parce que moi j'avais déjà acheté des pots de confiture bio de chez Carrefour à l'abricot, c'est dégueulasse et pourtant j'ai un gros pot, donc là c'est pas mal pour tester, je suis trop contente. Donc là on va ouvrir le 3 et le 4, je vais vous montrer tout ça et bien évidemment il y a le petit calendrier de l'Avent de Chouquette, donc c'est des espèces de petits chocolats, mais c'est pas du chocolat, hein, mais c'est on dirait du chocolat, donc elle aime bien ça, elle est contente à chaque fois. Donc bref, on va ouvrir le Nuxe, donc on va ouvrir ça. Ah, tu faudrait que tu m'envoies les captures d'écran des beats là que t'as fait tout à l'heure là. Entre la Free et SFR, c'est hallucinant. Donc ça va faire comme chez ton père, genre en 2 minutes j'ai ma vidéo qui est uploadée. Ça a tellement changé la vie. Alors le numéro 3. Alors ça c'est une pour Nuxe, j'ai eu donc la crème fraîche de beauté, donc ça je l'ai... Beaucoup, j'en ai beaucoup 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 et c'est vrai que j'aime bien cette crème, elle est très très bien et je l'ai achetée en gros pot aussi parce que j'avais déjà testé en miniature, ça m'a rendu la peau un peu plus jolie. Là j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout, je trouve que depuis que j'utilise des produits, déjà pas périmés parce que je sais pas si vous avez montré mais ma lotion Hello Body à la coco, j'arrêtais pas de l'utiliser pour la finir et je voyais que j'avais plein de boutons, genre c'était n'importe quoi. Donc je me suis dit vas-y Lisa, enlève ça de tes placards, je suis sûre que c'est périmé. Donc je l'ai enlevé, j'ai arrêté de l'utiliser, j'utilisais vous savez la lotion qui vient de chez YesStyle, elle est géniale et ma peau respire, genre je n'ai rien du tout sur le visage et j'ai beaucoup moins de... Tu sais les petits boutons à la con là, bah, j'en ai beaucoup moins, genre ça respire et franchement les produits YesStyle c'est une tuerie. Ils m'ont envoyé d'autres produits avec un, je vais bientôt vous les montrer peut-être, avec la même marque que la brume et franchement génial, vraiment génial. Donc là je suis contente, j'ai reçu donc ce petit format là, oh, ça je l'aime trop, ça j'en avais plus, je suis trop contente parce que ça je le mets souvent dans mon sac à main. C'est la crème de main rêve de miel, donc ça c'est hyper bien. Genre tu sais quand tu fais comme ça avec tes mains, genre tu sens le rêve de miel là tu vois, je te jure, genre un truc on me dit oh ça sent bon c'est quoi, je faisais ça, santé. Il est archi beau le coffret, je sais pas si je voulais montrer, hein. Je voulais pas montrer, regardez à l'intérieur comme c'est beau. J'aime trop, franchement je suis trop contente d'avoir fait Bonne Maman. J'aurais trop regretté. Donc c'est framboise et litchi. J'adore litchi et framboise. J'aime trop cette confiture là, ça faisait longtemps que j'en avais pas à manger. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir la retester. Je vous jure, je suis hyper... Ensuite Look Fantastic, je voulais pas montrer aussi, parce que même sur Insta je voulais pas montrer tout ça. Donc il est comme ça.
Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc au moins, on peut le réutiliser. Donc ça, c'est super cool. Alors, pour le numéro 3, donc là, je suis trop contente, c'est la marque Caudalie. Caudalie, c'est une marque que je voulais vraiment tester depuis assez longtemps. Une lotion, en plus, c'est assez gros pour une lotion, genre tu peux l'utiliser assez facilement pendant au moins un mois, ça. Je suis trop contente. Lotion purifiante peau nette. Donc voilà, encore une marque que j'ai vraiment envie de tester. Caudalie, c'est une excellente marque. Ensuite, j'ai reçu dans le numéro 4, je connais pas du tout la marque. La marque, c'est Luxie. Je connais pas du tout. Donc voilà, c'est des petits pinceaux. J'en ai un deuxième. Non, mais les pinceaux sont hyper doux. Donc voilà, bon, bah, je suis contente. Je vais tester d'autres petits pinceaux parce que tous mes pinceaux viennent de chez AliExpress. Ils sont bien, tu vois, ceux d'AliExpress, mais j'avais jamais testé des pinceaux d'Europe. Donc voilà pour le fantastique. Ensuite, rituel. Alors, le rituel. Oh là, la case numéro 3, elle est grosse. Hein. Ah, c'est un full size. Je suis contente. Donc là, c'est. Oh, ça sent archi bon, bébé. Baume de nuit pour les mains. Ah, je savais pas que ça existait. Un baume de nuit. Donc c'est la gamme Rituals of Dao. C'est la verte. J'avais jamais vraiment testé encore une fois. Ce que j'aime bien en fait avec Rituals, c'est qu'ils ont pas fait les mêmes produits que l'année dernière. Ils ont fait les autres gammes et je suis trop contente. Jamais testé, mais tellement bon. Bébé sang. Oh, bien joué. Et dans la case numéro 4, j'ai reçu... Je crois que c'est une mousse. Merci. Ah, mais t'es fou. J'ai reçu donc dans la case numéro 4 cette petite ça. Donc ça c'est une gamme que je connais déjà, que j'adore. C'est un gel douche, vraiment ils sont trop bons. Et ça se finit assez rapidement par contre, je trouve. Après j'avais déjà testé les tout plus petits, mais c'est vrai que ça se finit assez rapidement, mais ça sent hyper bon. Je voulais pas présenter ça je crois encore. C'est Merci Andy qui m'ont envoyé ce petit coffret. Il est archi beau parce qu'il y a les princesses de Disney sur chaque, enfin sur chaque gel pour les mains. Et vous avez la petite sirène, belle, ça c'est ma préférée, Aurore, Blanche-Neige, Jasmine. Donc c'est 5 nouveaux parfums féeriques inspirés de leur univers. Il y a un porte-gel aux couleurs d'un château merveilleux. C'est... Oh, je l'ai pas vu, il est où? Ah ouais, il est là. J'ose pas en fait ouvrir le coffret, mais il est trop beau le porte-gel. Je vais essayer de vous le montrer là comme ça. Ouais, il y a un porte-gel comme ça, je trouve ça trop beau. J'adore le concept en fait. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, ça coûte pas cher ça et c'est super joli genre ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment trop contente, ça c'est hyper joli. Donc ça je vais l'ouvrir à Noël, comme ça j'aurai des cadeaux en dessous de mon sapin. Et je vous montrerai ça à Noël, ce qu'il y a à l'intérieur etc. Mais je suis trop contente, merci beaucoup hein, Merci Andy, c'est hyper joli. Vraiment j'aime bien parce qu'ils innovent beaucoup, chaque année ils innovent, ils font des belles choses. Vraiment j'aime beaucoup Merci Andy, j'ai toujours leur gel pour les mains au travail, dans mon sac à main ou autre, j'en ai toujours sur la main. À chaque fois on m'en demande au travail, donne-moi du gel pour les mains Merci Andy parce que ça sent super bon. Et pour les deux derniers calendriers de l'Avent, celui de Origine. Donc Origine il est comme ça et à l'intérieur il est super beau aussi. Il est tout rose comme ça, il est trop beau. Alors, la case numéro 3. Donc, malheureusement, dans ce calendrier de l'Avent, c'est que des mini. Il n'y a pas de full size. Mais voilà, après, c'est toujours intéressant de tester cette marque-là qui est assez chère de base. Au moins, on peut se faire une idée des produits qu'ils ont. Enfin, comment dirais-je? Ça, acheter un full size, si c'est pour que ça ne taille pas du tout et que tu le jettes. Il vaut mieux tester d'abord les miniatures et ensuite acheter le full size, tu vois. Donc, moi, je fais ça. Donc, là, c'est un soin ultra hydratant pour les mains. Encore une fois, c'est dommage dans un sens parce que les crèmes hydratantes pour les mains on en met quand même pas mal et c'est un petit format. C'est dommage en fait, mais après ça permet de tester la marque. Mais après c'est petit, c'est comme le gel pour le visage, c'est un peu petit. Ah, je savais pas qu'ils faisaient ça dans le calendrier. Les poils sont hyper doux. Donc en fait c'est une... Ah, j'ai le soleil qui arrive là. Il est en train de se coucher. J'ai une petite brosse comme ça pour appliquer tout ce qui est crème ou masque ou je ne sais quoi. Donc j'adore ce genre de brosse parce que j'utilise... vachement ce genre de petits pinceaux. Voilà pour Origine. Ensuite pour Sephora, il est comme ceci. Alors le numéro 3 il est tout petit mais je suis trop contente. J'ai reçu le Sleepy Mask de chez Laneige. J'en ai entendu tellement parler de ce produit miraculeux. En gros c'est un masque de nuit hydratant, enfin, donc tu le laisses toute la nuit et le lendemain après tu soit t'enlèves le surplus soit tu le nettoies. Mais il paraît qu'il est génial, par contre c'est hyper mignon. On en parle ou pas de cette mignonnerie avec le petit, la petite boîte et tout. Donc franchement c'est trop mignon. Oh, je vais tester, je vais tester ce soir. Ah oui, c'est le blush de chez Tarte. Oh, je suis trop... Blush de chez Tarte, c'est un de leurs best-sellers je crois, cette teinte là.
J'avais jamais testé de blush de chez Tarte, donc je suis trop contente. J'adore ce calendrier de l'Avent parce qu'il propose vraiment des marques, des best-sellers. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Vous voyez que ça prend quand même pas mal de temps d'ouvrir des calendriers de l'Avent. C'est pour ça que, pour pas que la vidéo dure 40 ans, des fois j'oublie de le faire et je le fais chez moi après. Mais si vous voulez, je peux vous le faire sur Instagram, comme ça prendra moins de temps sur YouTube au niveau des montages, etc. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais j'adore. Mes calendriers d'avant, ils sont vraiment trop bien. Donc tout cela, je les ai achetés, hein, je les ai pas eu par les marques. Je les ai bien achetés avec mes petits sous d'étudiante. Donc pour ça, ceux qui me demandent comment j'ai fait, tout simplement, j'ai mis de côté depuis le mois de janvier. Et après, suivant le budget que j'ai au mois de septembre, bah je m'en achète. Donc moi, je vais ranger tout ça. Et ensuite, donc on va aller à la Place d'Italie chercher le petit objet qu'il me faut. Parce que j'ai envie de garder ça un peu secret, mais à la fois j'ai envie d'en parler. Je sais pas si je vais vous en parler maintenant. Je sais pas, on va voir. Mais vous allez être surpris, je pense. Il y a plein de jolies vidéos qui vont arriver prochainement sur ma chaîne parce que j'ai plein de choses à vous filmer. Il y a des trucs que j'ai déjà filmé un petit peu avant, quand j'ai fait mon sapin pour genre des hauls, etc. Et normalement la semaine prochaine je me coupe les cheveux, je vais faire quelque chose à mes cheveux parce que je n'en peux plus, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop sans texture, sans forme. Donc je vais faire ça bientôt. Bah on va se retrouver demain pour le Black Friday pour vous montrer mes petits achats. Alors vous inquiétez pas, je ne suis pas ce genre de meuf qui a acheté par 1000, par 100. J'ai acheté surtout les cadeaux de Noël, j'en ai profité pour acheter les cadeaux de Noël pour finir. Là normalement j'ai tout fini et j'avais acheté d'autres petites choses qui étaient vraiment intéressantes. Donc voilà, je vais tout vous montrer demain. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin petite je ne sais pas, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici, c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, un prochain vlogmas.